Que l'élévation soit ton partage et que la grandeur aussi soit ton partage. Ah, je croyais que quelqu'un avait compris cela. Parmi tes égaux, que mon Dieu t'élève et qu'il place ta tête plus haut. Là où tu travailles, là où tu évolues, dans les études, que la grâce d'Abraham, un père élevé, que mon Dieu élève ta vie, quel que soit le domaine, quelles que soient les circonstances, que Dieu puisse élever ta tête. Je vais te dire, tu ne marcheras plus la tête courbée, mais moi je marche avec cette onction, la grâce qui était sur Abraham, un père élevé. Écoute-moi bien aimé, là où les gens n'élèvent pas la tête, ce matin je t'envoie. Toi tu ne seras pas comme tout le monde. Je le déclare. Même si on a mis un béton pour que les gens ne s'élèvent pas, avec l'onction que tu reçois ce matin, toi tu ne seras pas bloqué par ces bétons. Même si tout le monde est bloqué, mais toi, que Dieu t'élève, que Dieu élève ta tête, là où les gens ne montent pas, là où les gens ne s'élèvent pas, là où les gens ne réussissent pas, mais que Dieu t'élève. Abraham a bénéficié de cela. Père, élevé au-dessus, je prie à Dieu que ce soit dans un concours, que ce soit dans un domaine commercial, que ce soit dans n'importe quel travail, distingue en cela, que tu sois élevé, qu'on te voie au-dessus, parce que tu appartiens. Tu es parmi les fils d'Abraham. Tu es parmi les filles d'Abraham. Et que l'élévation t'accompagne. Il était un père élevé. Laisse que aussi ta vie soit élevée au nom de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je croyais que quelqu'un allait accepter Amen. Je croyais que quelqu'un allait acclamer les rois des rois. Yes. Quelqu'un allait acclamer les rois des rois. Écoute. Yoka. Il dit, tu étais père élevé. Tu as bénéficié de l'élévation. Mais le temps a sonné. Tu as expérimenté l'élévation. Mais cette fois-ci, c'est la grandeur. L'épanouissement. Père d'une multitude. Il insiste en disant, pour que tu te multiplies, je commence par te rendre fécond. Je te rends fécond. Alléluia. Amen. Je te rends productif. Je te rends fécond. Écoute-moi bien aimé. Pour s'élargir, il nous faut cette dimension de la multiplicité. Tu deviens fécond. Je suis en train de sentir une voix dans mon cœur. Dans les domaines de la multiplicité. Père d'une multitude, lorsqu'il te rend fécond, je suis en train de dire à une femme qui fait un travail négligeable, qui fait un travail négligeable, un travail qui ne représente rien, juste pour nourrir les enfants. Mais je viens te dire ce matin, il y a quelque chose que Dieu fera dans ta vie. Il t'appelle à la multiplicité. Laisse que Dieu prenne ce que tu fais comme néant, ce qui ne représente rien. Que Dieu multiplie cela. Parce que tu dois être fécond. Sois fécond matériellement. Sois fécond spirituellement. Sois fécond financièrement. Sois fécond dans tous les domaines de ta vie. Que ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas, je le déclare au nom de Jésus. Sois fécond.
Il est le Dieu de multiplicité. Il est le Dieu de multiplicité. Il est le Dieu qui multiplie. Il est le Dieu qui donne la capacité de prendre ce qui ne représente rien. Il multiplie cela et ça devient autre chose. Il est celui qui multiplie. Qu'il prenne ce qui n'a pas de valeur. Qu'il prenne ce qui ne représente rien. Qu'il prenne un nom qui ne représente rien. Que mon Dieu multiplie, rende fécond. Qu'il rende fécond. Qui est semblable à ce Dieu? Qui est semblable à ce Dieu? Ce matin, il est au milieu de nous. Le Dieu qui élève, le Dieu qui élève, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui fait des choses que le monde ne peut pas faire. Il est là ce matin. Je le sens en ce lieu. 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 Oui, je le sens en ce lieu. Il est celui qui est capable de tout. Remantarabo. Remasheka. Imantarabo Santa. Rekayaraba. Renarabo Santa Yaramante Yaba. Il est là ce matin. Oui, il est là ce matin. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Il voit ta vie. Il voit ton cœur. Il défend ta cause. Parle à ce Dieu. Aïe, aïe, aïe. Rachekayara, mantenez-vous.
Je disais qu'il est là. Pendant que tu cries vers ce Dieu, il est en train d'ouvrir les chemins. Il est en train de faire tomber toutes sortes de malédictions. Parce que toi, tu n'es plus sous la malédiction de ta famille. Parce que ton nom a été changé. C'est lui qu'on maudit. C'est l'ancienne personne. Mais toi, la malédiction ne te verra plus. Jésus, Yonde nyonso, na
luka na vie aba yonde nyoso na luka na vie aba yonde nyoso na luka na vie aba yonde nyoso na luka na vie. Le Dieu d'Abraham,
Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de la moisson divine est là ce matin. Quelque chose. Celui qui a le cœur disposé reçoit un changement dans sa vie ce matin. Celui qui a le cœur disposé reçoit quelque chose de la part de l'Éternel ce matin. Parce que sa présence est là. Le Dieu qui change l'atmosphère, le Dieu qui change les vies, le Dieu qui transforme, il est là ce matin. Est-ce que cette atmosphère est pour quelqu'un ce matin? Sa présence nous fait du bien. Sa présence change le vie. Sa présence change les destinées. Sa présence transforme. Sa présence aplanit les montagnes. Sa présence nous donne des solutions à nos problèmes. Est-ce que cette présence serait pour quelqu'un ce matin? Cette présence est pour quelqu'un ce matin. Je vois les montagnes s'aplanir. Je vois les obstacles être transformés en opportunités. Je vois des vies changer ce matin. Je vois les malades être guéris. Je vois sa présence relever ceux qui sont tombés. Je vois sa présence donner de l'espérance à ceux qui ont perdu l'espérance. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel Dieu est bon.
Est-ce que quelqu'un peut sentir combien Dieu est bon dans sa vie ce matin? On l'est là. On connaît la lissure sous terre. On bungisa les sous-souté. On va ni tango mon laïto 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 mon laïto. Le Dieu qui a changé le nom d'Abraham à Abraham, il est ton Dieu ce matin. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Sa présence ce matin, c'est pour te faire du bien. Mon Dieu, cette présence elle est pour qui? Cette atmosphère Seigneur de la gloire, tu l'as permis pour qui? Cette présence elle est pour celui qui dans son cœur a un cœur d'adoration. Celui qui s'est dit ce matin, tu es tout pour moi. Je suis là pour toi Jésus. Je suis là pour toi, éternellement Dieu. Wow. Fais-nous du bien, Jésus. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Il n'y a pas d'hasard devant ta présence. Tu connaissais la journée d'aujourd'hui. Tu l'as planifié pour un peuple. C'est le peuple de la moisson divine. Hey. Les compatissants. Le Dieu miséricordieux. Père éternel. L'admirable conseiller. Indabro Sakaraboshe. Rondabro Sarabashi. S'il vous plaît, je veux vous demander quelque chose. Si on peut tous nous tenir debout. Mon Dieu, je sens l'atmosphère de miracle ce matin en ce lieu. Seul peuple, comme un seul peuple, est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut crier très fort? Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est tout pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut pousser des cris de joie? Est-ce que vous pouvez te l'ensemble dans ma boca ma casi? Amen. Zamba Pambola, nous reprenons nos places. Amen. Tokomi na tango malamu. Tolingi to pambola nzambe na biso na oita liba offrande na biso mais tozo bana na offrande ya chaque parcelle soko sana 2000 francs 10000 francs 20000 francs 10 dollars 100 dollars opportunité malamu epesa melio o contribue na projet na biso ya chaque parcelle to bele mina lombango to eko pambola nzambe to kusa le to pambola nzambe na biso. Thank you.
l'église na yo simba moko na zomi na yo panya oyo pasteur Jérôme Assimi de panya à 1 dixième to panya à 10 les autres panya aux extrêmes les panya et fond de la mission ordinaire to poussani to yoko pambola nzambe na mission. Acclamer pour le Seigneur. Que Dieu bénisse la chorale, que Dieu bénisse notre pasteur, pasteur Delphin, pour un travail très, très bien. Amen. Tonigis Koto Mbayo, Soko Mbalana Libosako Yanga Nabiso, et Payozali Ecclesa Tonigito Mbayo, Ponalokumna Kolo Yesu Christo. C'est pour vous la première fois de prier avec nous, n'hésitez pas. L'Église veut vous accueillir pour honorer votre présence. Est-ce que tu es là ce matin? Tu es là ce matin? Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux reprendre ta place. Après culte, on peut s'appuyer sur trois petites minutes. Et ça, on est comme quoi approcher pour le belayo ou établir le programme Nabiso. Et puis, à son gaïo, on replie des pliants. Vous allez vendre à l'Iboso pendant deux ou trois petites minutes. Amen. Le programme Nabiso est comme l'habituel. Mardi, mercredi et jeudi, tout le programme Nabiso à la fin du mois. Autour de la état jeune et puis prière. Amen. Donc, mardi, mercredi, jeudi, tout le jeune est observé pendant ces jours. Jeune est humide. Amen. Alors, après culte, tous les membres de l'évangélisation restent après le deuxième culte pour une communication importante. Alors, la présence de tous les membres est obligatoire. Amen.
Et puis samedi le 4, église mobile to bengami na grande activité o ya évangélisation to kokutana awa à partir ya 14h30. Toute l'église loba amen. Oza mama, oza papa, sepela kokota katina elanga na nzambe. Ezali moko ya ba principe ya ascension, moko ya ba principe esala ke nzambe a pambola biso. Amen. Tokomi na suka to kokotele me pa ito zwami. Tellement, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Pour le reste des communiqués, au côté de la valve et de la sortie, pour autant de communiquer, la mission de la vie, la mission de la moitié élevée. Merci pour la présence de la Tongo Nalelo, Katkatina Mayangani, Tongo Nalelo. Merci pour la soit sali, Katkatina Bomo, Katkatina Mabota, Pekeneko Tika, Kozonga Nayo, Namaboko Nansambe, Tobondeli, Nakombo, na Yesu Christo. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ta présence ce matin. Ta présence qui nous a fait du bien. Ta présence qui nous a tous bénis. Ta présence qui a transformé des choses dans nos vies, éternel notre Dieu. Maintenant que nous voulons rentrer, Père de gloire, raccompagne-nous chacun dans nos domiciles. Au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, daigne nous protéger et nous sécuriser. Que le mal ne puisse nous atteindre au nom de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit notre bouclier. Laisse que l'éternel Dieu puisse te prendre en charge. Pas seulement toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je prie mon Dieu qu'il fasse quelque chose dans votre vie. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de sa joie et que vos jours sur la terre soient remplis de joie. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que ma pasteur va zobima, totikeli bangonzela babima na kombo na Jésus Christ.